Salut tout le monde, c'est Kerbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play de The Legend of Zelda The Waker HD. On va partir en fait. On a pas mal de trucs à faire maintenant. Mais déjà, il va falloir qu'on se téléporte justement à l'endroit où on était allé la dernière fois, mais qu'en fait il n'y avait rien à faire pour l'instant. Parce qu'on va nous donner des objets en fait assez importants. Mince. Oui, si c'était la bonne île en plus. J'ai paniqué, mais non, c'était la bonne île. Et après, on a des objets à les rechercher. Et donc, oui, ça va encore être un petit épisode posé. C'est dans l'épisode prochain qu'on fera le donjon, je pense. Voilà, ok, c'est bon. Elle arrive. La grande fée. La grande fée, mais en fait elle est plus petite que les autres. Et comme poupée, elle a une autre fée. C'est stylé. Elle est trop bien la musique en plus là. Enfin, c'est pas la grande fée, c'est carrément la reine des fées quoi. Et voilà, elle va nous donner un truc vachement utile. Bon, ok. Ah oui. Je me disais, qu'est-ce qu'elles font? Enfin. Et voilà, les flèches de feu et les flèches de glace. Ça, c'est bien cool. Rien qu'en combat déjà, c'est super cool parce que c'est 3 fois plus efficace que des flèches normales, vous vous en doutez. Voilà, bon, en plus il faut que je prenne une fée, j'en aurai besoin. Oh, il a une touche, Link. Avec une fée en plus. Trop bizarre. Je sais pas, ça peut être un bon plan. Hein. Elle arrive à sortir des rubis comme ça, alors. Alors, allez. Ok. Voilà, donc là on va se téléporter jusqu'à l'île de l'Aurore en fait. Il y a un truc à faire là-bas. Et après on ira à l'une des îles sur lesquelles on a un objet à récupérer qui est indispensable pour pouvoir progresser dans le donjon en fait. Alors, allez. Ah, et en plus j'ai du courrier, je vois. Alors, qu'est-ce que ça va être? Par contre, j'ai toujours pas suffisamment de blason d'épéiste, j'en ai combien? J'en ai 10. Ah bah si, c'est peut-être bien en fait, je vais aller voir Orko là. Quoi? J'ai pas lu ce que c'était. Alors, qu'est-ce que c'était? Une lettre postée aux frais du destinataire. J'ai peur de l'ouvrir. Mais bon, ouais, allez, je vais l'ouvrir quand même. Par contre, c'est cher, 200 rubis pour ça. Ok, voilà, donc en fait, c'est Tingle qui nous envoie... Non, mais Tingle, il est radin, quoi. C'est nous qui devons payer son courrier. Voilà, maintenant je peux trouver les fragments de la Triforce, merci. C'est cool par contre. La super carte. Ouais, elle m'indique où sont les fragments de la Triforce. Et où sont des cartes aussi pour pouvoir les trouver, bref. C'est cool. Alors. D'ailleurs, attendez, je vois une île.
Ah oui, il y en a une sur l'île de Kissa, c'est vrai. Non, je voyais une qui était proche, mais je peux pas la voir pour l'instant. Mince, pourquoi elle me soigne moi? Ah non, c'est vrai, soigne la grand-mère. J'ai eu peur, je me disais, oh non, c'est... Je vais pas aller en rechercher une, là. Et voilà, Mémé est guérie. Donc elle va nous donner une potion super utile. La soupe de mémé. Voilà. Elle restaure toute l'énergie et toute l'énergie vitale et toute l'énergie magique. Et jusqu'à la prochaine blessure, on inflige à vos ennemis des dommages deux fois plus importants. Et on peut la consommer en deux fois. Donc ça, c'est génial. Et dès qu'on en a plus, bah, il faut venir en rechercher, quoi. Ok, alors. Par contre, je vais la déséquiper au risque de la consommer bêtement quand je voudrais pas. Voilà, maintenant on va aller voir Orko. Je sais pas s'il en demandait 10 ou 20. Parce que comme j'en ai 10, ça peut peut-être passer. Hein. Je parle des blasons des pays. Oula, ok, il s'entraîne déjà. Je veux bien, mais ouais, pourquoi pas, allez. Ah, ok. Alors comment je vais faire pour le frapper 100 fois? Pour l'instant, il fait pas grand-chose. Oh! Oh, bah c'est plutôt simple en fait. Allez, vas-y, ok. Oh mince, je me suis fait toucher, ça c'est con. Mince, comment je fais pour me faire toucher là? Mince, ok, bon, ok, voilà, dommage. C'est dommage, j'étais bien parti. Voilà, bon, c'est fini. Je vais lui montrer les blasons, vu qu'il voulait les voir. Alors. Ok. Ouais, bah si. Ouais. Alors, c'est quoi cette technique? Ok, une nouvelle technique à l'épée, je m'en souviens plus du tout de ça. Ah, mais si, ok, c'est. Ah mais si, ok, mais non, mais oui, mais non, mais c'est l'attaque de base qu'on apprend dans tous les Zelda, quoi. Ah oui, ça, non, ok, à ce point, je suis pas certain, mais... Ouais, non, c'est vrai, oh, c'est cool. Ok, il est trop fan de nous, maintenant. Mais on est plus fort que lui et pourtant on n'arrive pas. Enfin. Je le referai le truc de le toucher 100 fois, je sais plus ce que ça donne, mais. Se donner un truc cool quand même. Par contre, il me les a pris mes blasons d'épéiste. Alors. Donc là maintenant on va partir sur une autre île. Je regardais si j'avais pas encore du courrier. J'ai combien d'appâts? J'en ai 11. Et des morceaux de cartes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exactement 11. Bah parfait. Il suffit que j'en rate aucune et c'est bon, c'est parfait. Alors donc on va par là, jusqu'à l'oreille. Enfin l'île qui ressemble à une oreille.
On va faire un petit détour par une autre île, histoire juste de gagner un nouveau fragment de map. C'est quand même vachement cool maintenant qu'on va super vite. Ah bah c'est encore une île qui est une phase 2D. Je sais plus ce qui me manque là, je crois que c'est à peu près toutes. J'ai eu la 1, j'ai eu la 4, je crois que j'ai eu la 6. Ça peut être la 5. Hein. Oh, ça c'est cool, par contre je m'ai raté un peu. Voilà. Je sais pas si je suis déjà descendu ou pas, mais on va voir. Oh non, ça me dit rien du tout. Oula, c'est quoi cet endroit? Oula, c'est très dangereux par contre. Ils apparaissent à l'infini ou quoi? C'est... Normalement les rats ils apparaissent à l'infini, donc je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Ok. Ils ont pas l'air d'apparaître à l'infini cette fois. Ouais non, je crois qu'il y en a de moins en moins. Allez, voilà. De toute façon je peux pas me barrer tant que je les ai pas butés, alors... Bah, ok. Voilà, apparemment c'est fini, non? Voilà, ok, c'est bon. Bon bah un petit trésor simple à avoir. C'est toujours cool ce genre de truc. Je sais pas ce que ça va être. Parce que c'est pas un gros coffre. Donc ça peut être un blason DPI, ce genre de truc quoi. Quoique, il y a une lueur comme si c'était un gros coffre. Ça va être une carte au trésor, vous allez voir. C'est ça, carte au trésor, ok. C'est pas si mal, hein, même s'il y a mieux quand même. J'en ai pas trouvé en plus beaucoup des trésors. J'ai beaucoup de maps, enfin j'en ai beaucoup. J'en ai avoir une douzaine quoi, mais j'ai pas trouvé beaucoup de trésors. J'en ai trouvé deux. Peut-être 3 maximum. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Ah, c'est l'île du dragon, je crois, en plus. Alors, par là. Ouais, ok. Ah bah non, l'île de la phase 2, je la connais déjà. C'est l'île qu'il y a là-bas. Donc c'est l'île juste après que je vais découvrir. Et après, on ira à la montagne de feu si on a le temps, mais normalement, c'est pas très long ce qu'on doit faire. Ah, la musique se coupe d'un coup. Ça fait bizarre quand ça arrive. Alors, où est cette fameuse île? Ah bah, ça doit être celle qui est là-bas, non? Dirait bien, mais elle est toute petite. Pas grand chose. Oula, ah, des requins, ok, c'est pas très grave. Oh, il y a un trésor en plus. Bon, bah, c'est cool, je suis pas venu ici pour rien. Par contre, merci, mais. Ouais, mais j'aime pas trop quand les requins font ça. Normalement, je suis tout près du trésor. Sauf que, voilà. Ok, bon, je l'ai récupéré quand même, mais... Ils devraient virer les requins quand on est... Quand on est en mouvement. Enfin, quand on n'est plus en mouvement, justement. C'est cool, un quart de cœur, ça. Par contre, je suis super content. Ah, ok, je me serais rapproché de l'île de 2 cm et c'était bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Elle me paraît bizarre. Elle a une configuration étrange. Ok. Essayons de voir ce qu'il y a là-haut. Oh, c'est cool. Ah, alors, par contre, il y a un petit... Il y a un trou là-bas.
Vous voyez, c'est ça aussi un peu la magie de The Legend of Zelda: The New Waker, c'est qu'à chaque fois qu'on part pour faire un truc et qu'on se dit ouais oh, tiens cette île je la connais pas, je vais m'y arrêter, et là on découvre plein de trucs, mais que bah oula, plein de trucs tout simplement que bah qu'on s'attendait pas quoi. Là je trouve un coffre, ok, je vais aller dans un trou là-bas, il y a peut-être un autre coffre. C'est toujours super cool. 3 quarts de cœur, c'est génial. Alors maintenant, le vent il va vers là-bas. Il va peut-être pas dans... Non, il va pas dans la bonne direction. Alors moi je veux le faire aller par là-bas. Oula! En fait, je voulais pas le faire aller vers là-bas. Je veux le faire aller vers là-bas. Donc vers la direction dans laquelle regarde Link. Donc l'est. Voilà, parfait. Alors, allez. Ok. Ah bah, je suis tombé direct dans le trou. Oula, ah oui, mais non, ça sert à rien. Je me souviens de cette salle, mais ça sert strictement à rien. Il me faut. C'est pas la salle avec des. Ouais, non, non, non. Il me faut un objet, mais que j'ai dans. Fou, assez longtemps quand même. Enfin, ça doit être l'un des derniers objets de donjon qu'on a, quoi. L'un des derniers, parce qu'effectivement, il y en a un dans le tout dernier du donjon du jeu. Mais c'est juste avant, ça doit être dans l'avant-dernier donjon, quoi. Voilà, le poisson. Ok, trompé de bouton. Voilà. Ilo kiff kiff, d'accord, mais je sais, j'en ai déjà capturé des lucioles là-bas, mais je sais absolument pas ce que ça fait. C'est cool, hein, ça brille, mais ça sert à rien en fait. Alors, je vais. Ah, les requins, ah, ils me stressent. Allez. Mais ils vont disparaître ou quoi? Je change de région bientôt, là, ils vont disparaître, non? Ouais, c'est bon, ok. Alors là, c'est laquelle? C'est l'île glacée ou l'île... Ouais, c'est l'île glacée, ok. Donc, vous allez voir en action le... l'arc, enfin les flèches de feu. Comment on choisit les flèches? Ah oui. Ok. Ça n'a pas bien marché. Ah voilà. Ok, si j'ai eu peur, je me disais non, c'est pas vrai. Voilà. Par contre, maintenant, ouais, c'est en temps limité. Alors, en plus, il y a des. Il y a des. Genre des. Des coffres un peu partout à récupérer sur l'île. Et en plus on glisse. Génial. Tout ce qu'il faut quoi. Oh, une carte au trésor encore. Je vais l'ouvrir maintenant, sinon après je vais oublier. Voilà. C'est sur l'île du requin, il me semble. Ah, je peux monter ici? Apparemment non. Va falloir faire le tour. Par contre, faut que je trouve des flèches. C'est assez impératif. Allez, voilà, c'est ici qu'on peut monter. Ah, il a du mal, Link, sur la glace. En plus, je crois que si on tombe dans l'eau là. Oula! Ok, ouais, non, on va descendre comme ça. On perd pas des vies dans cette eau, il me semble. Ah non, c'est vrai, c'est pas Mario Galaxy. Ah, mais on glisse trop, c'est horrible. Oula, ouais, mais non! Là, je peux rien faire, faut que j'aille là-bas. Ok. Donc vous vous doutez bien que
À la fin du temps, ce qui se passe, c'est que l'île, elle se remet à geler. Et donc, je crois que j'ai un game over direct. Il peut même pas se tenir debout sur une pente à 10 degrés, quoi. Ah oui, ok, c'est vrai, ça c'est tendu. Enfin, c'est tendu parce que Link, il a des sauts automatiques. Et donc, voilà. Enfin, même quand il lance pas ses sauts, c'est tendu quand même. Pour essayer d'y aller avec la feuille, je crois que c'est ce que j'avais fait dans ma partie, mais c'est risqué quand même. Ça peut faire perdre énormément de temps. Non, on va essayer d'y aller normal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour que genre il aille sur la pointe des pieds, un truc comme ça. Donc faut faire. Ok. Ouf, je suis pas tombé. Je pourrais faire comme ça tout le long. Mais je risque de perdre un temps fou, non? Ouais, enfin. Ok, qui me tire dessus? Ok, non, c'est bon. Ah, il veut plus ici. Ils avaient prévu le coup, on dirait. Alors. Ok, allez. Voilà. Oh, c'est super tendu. Voilà. Parce que là, tomber dans l'eau maintenant, ça y est, recommencer tout. Génial. Voilà, c'est bon, on va avoir l'objet. Je sais plus dans quel ordre c'est. Dans l'un, on a un objet, et dans l'autre île, donc celle en feu, on en a un autre. Je sais plus exactement dans quel ordre c'est, on va voir ça. Ah, il y a encore des trucs à faire ici. Moi, bon, je croyais que c'était la fin de l'île. Ah oui, non, on peut pas y aller comme ça. Ah oui, ok, donc là, c'est bon, je me souviens quel objet c'est. Oula, pas ça. Les chauves-souris. Quelle horreur. Le mec qui a décidé qu'il y aurait des chauves-souris dans le jeu, mais. Je le déteste. Ah, une fée, mince, j'aurais dû la mettre dans mon flacon. Dommage. J'ai glissé sur elle. Oula, ok. Voilà, l'objet est là. C'est bon, on est débarrassé. C'est un objet que je déteste. Il était dans Ocarina of Time, je le déteste. Voilà, les bottes de plomb. Je le déteste parce que dans ma tête, il est associé au temple de l'eau. Genre, pire donjon, pire temple, enfin, pire donjon du monde. Ben, c'est bon, maintenant ça ne revient plus. Enfin là j'ai plus de temps, c'est bon, je peux rester autant de temps que je veux. Je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Oh! Je vais les déglacer un par un. Hein. Oh! Voilà. Ah cool. Allez. Ah oui, de toute façon, j'ai plus besoin des blasons d'épéiste. Pourquoi je cherche à lui, son défaut, c'est d'être un peu trop endurant. Mince. Ah. J'ai plus de fées, hein. Faut pas que j'oublie ça. Bah, il apparaît juste au bon endroit, ça, ce truc-là. Bien sûr, je peux pas le péter comme ça. Ah, cool, c'est bon. Ah, encore un comme ça. Allez. Il doit bientôt être fini. Ouais, c'est bon. Ah bah là, y a rien, ok. Oh, vous avez des mini trucs. Genre les ennemis les plus faibles de tout le jeu, quoi. Ah, et ça me fait gagner un petit trésor. Ça, c'est cool à chaque fois que ça arrive.
compte pas grand chose. Ouais, ok, un rubis orange. Oh, 100 rubis verts, bon, c'est déjà ça. J'ai déjà remboursé ce que Tingle m'a volé. Enfin, volé, non, mais. Ça scie un peu quand même. Qu'il me fasse pas croire que ça vaut aussi cher que ça de décrypter des maps. Hein. Sinon, moi, je change de métier et je me mets à décrypter des maps. Allez. Et lui, il me tire des bombes, mais je suis sûr qu'il les tire trois fois trop loin. Voilà, et bah, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra l'autre île. Mais pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, ça suffira, voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon espèce de Legend of Zelda The New Waker HD. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite, voilà. Bye.